Bonsoir tout le temps, fidèles à Island TV. Je suis content d'être avec nous jeudi pour vous voter pour notre quatrième sortie journal. Rapidement, je vais vous présenter un point qui a dominé l'actualité. Ancien policier et chef gang Alex Armstrong du Monde est tombé dans un échange en coup de balle à qui on patrouille la police dans la commune Pétionville à hier mercredi 18 janvier 2023. Souligné Alex a été diverses accusations sous dol dans coup implication dans plusieurs cas kidnapping, assassinat et association malfaite. UNESCO en Haïti n'a tête coulée avec le bureau haïtien normalisation fait présentation officielle manuel de normalisation de la qualité des matériaux de construction matin jeudi 19 janvier 2023. Livre ça qui rédigé dans intention décider politique ingénieur contremaître à capos maçon yo gagné toute norme qui capable de répondre à l'amélioration qualité construction et puis réduire ces catastrophes en Haïti. Union normalien haïtien yo réclamé ajustement salarial 300% pour professeurs par rapport à l'affiché qui a augmenté chaque jour plus. Dans ce sens, il y a souligné pour dire ajustement ça a valable pour tout secteur qui n'a vie nationale là pendant une heure fait connaître si vous pas respecté les demandes, il y a passé dans notre phase qui se grève générale. Environ 7 dossiers qui traité dans 6 criminels sans assistance JIO démarré dans le tribunal de première instance à Saint-Macla, soit 17 pour arriver 19 janvier 2023. Accusation qui retenu contre individu saillé. C'est association malfectée, viol, vol armé, assassinat et publicité saillé seulement. Audience saillé a réalisé dans l'idée pour combattre un taux de détention préventive prolongée, c'est le chef Ike. C'est ensemble qu'on s'arrête à un pilote dans un mini téléspectateur qui prend le développé et qui branché à déplacer. Merci d'être toujours été branché, amis téléspectateurs, mes informations. Juge Martel Jean-Claude a condamné officiellement François Samson après audition li, qui était joué en arrestation dans quatre dossiers cargaison d'armes et munitions qui était saisi dans douane Port-au-Prince qui était impliqué l'église épiscopale d'Haïti. Chargé Kembe parce que François Samson était doué moun qui t'a recevoir colis qui était dans cargaison si là sorti dans mairie Minédor qui vivent dans pays États-Unis. L'autre information amis téléspectateurs, qui sa pays lok utile pour population wa? Qui sa manifestation tribo pa bo pote en plus pour pays ya? Plusieurs citoyens militants perdit la vie yo nan cadre plusieurs manifestations sa yo. Malgré ça, rien pa jam changé, mais c'est situation qui vient plus difficile chaque jour plus. En suivant le reportage avec Frédine Pierre et Kevin Loriston. C'est un slogan qui était plus populaire pour la période périloc là pour l'année 2022. Et slogan Boakale qui était sorti depuis dans quartier populaire, fait chemin sorti dans capitale là, jusqu'à river dans ville provinciale et même river traverser frontière aller dans plusieurs pays à tana mondial kata. Et slogan ça te gagne un bi bien déterminé qui c'était en forme protestation pour te réclamer des pas premier ministre Ariel Henry et pour te exiger le retourner sous prix carburant là qui augmenté. Boakale ça tout qui était Prenam avec base 47 qui chita kol nan Delma 47 qui te vin mette plis piment nan balion signati qui se Boakale zombi. Pendant tout moment lok la qui te kampe dan bang de barricade yo. Yon Boakale qui pa rive nan destination, si te le nou considere jen gason sa yo pa trive we fin anéa alo voir pou yo ta we nouvel Haïti, kote yo disparaît sa ou pa jam découvri kol. Yel Henri pa démissionné nan tête pays ya, nou pral lancer opération Boakale zombi yon. Boakale zombi an ki salye, même si on a gade film Hollywood yo, le yon moutro toute population yo a transformé en zombi, et qu'on s'en va le camper là dans le pays ya. Nous va commencer à chercher nèg yo la kayo, pour nous coller dessus yo, parce que depuis plus passé 200 ans, men, nèg a fait une basse misère men. Dans la même forme, mobilisation ça, yon talentier garçon qui pote nan Black Diamond, yon jeune étudiant en sociologie, te vini ak parole for ça qui se révolution parfaite sans connaissance. C'est yon parole qui te pèse nan en pire citoyen nan République là, ni si là qui a vive l'autre bord de l'eau. Parole ça tout qui t'a incité en pile jeune mettez main en bataille là pour bien-être yo. Notre pays est en train de cramer. Ces derniers mots qui t'a sorti dans bouche jeune garçon ça qui pas gain la vie encore, qui pas gain chance pour vivre Haïti sans force côté, il t'a prêché. Ouais. Non, moi, ce qui est 10 ans, Michel Martel écrasé le pays, il a pas mis sur moto, non, il a pas 10 machines plutôt, non, il a pas fait un vlog plutôt, mais c'est pour le compétition au Caribéa, voilà où nous en sommes.
Vous voyez le problème? Le pays est en train de cramer. Les milliards de mètres de fer à notre belle belle des Antilles. Yo, Jovenel n'est pas le premier chef d'État à tuer. Depuis 200 ans, les mulâtres nous tiennent bon. Les mulâtres nous empêchent de respirer. Ou j'aime mon mulâtre policier. Ou j'aime mon mulâtre chauffeur moto. Ou j'aime mon mulâtre chien. Non, nous-mêmes, nous sommes. Nous prenons nous pour manger. Yo, mais ça m'a dit. Ouais, Dieu, de vous connaître, couleur peau, c'est noir. M'a dit bien, dans la constitution pays, ça a écrit. Point de blanc sur le sol. Est-ce que vous avez pas, vous campé. C'est un autre slogan qui t'a prôné dans toute manifestation, leader parti politique Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, employé pour mobiliser militants, Axilayo, qui participer dans la série manifestation. C'est un slogan qui fait chimel sur tout réseau social, yo, même Jean avec Bois-Caléa. Mais nous t'es préparé pour lui. Ok. Démonstration 5 têtes, ça, son signal nous voyait. Ça va venir dans le jour. Si Ariel parle pour retirer Paul Bonnet, si la banque parle de 200 dollars, si on parle de 200 gaz, moi-même, par contre, ça qui veut. Au contraire, nous n'avons pas de chance, nous disons que c'est fini. Nous te prenons pour ma carte. Comment? Nous prenons dollars, nous faisons nos habits, cette famille, mettez-nous dans l'enfer. Et bien, nous allons garder qu'on a nous que l'esprit. Qui ça nous dit, vous en prie avec aux élections, et bien nous mettons bien nous à terre. Bien nous à terre, et pour combien de temps nous là? Ah, je dis, attendez ça dit là, qui campé? On nous va camper. Pas qui campé? Et monsieur Vépirette? Ça va aller campé, hein? Pas qui campé? Et monsieur Vépirette? Population campé? Les Ariel allez! Au point de ça qu'on va plus tard, nous demandons des populations, hein? Côté Ariel en rété, al mette barricade avec tout carotte devant gars là. Et slogan ça qui était parti sur une base solide mais qui presque tourné kalalou pour population. Si tout les considérer manifestation yo pas utile en rien, bois vinn pi calé. Ariel pas campé, situation yo vinn pi difficile. Chaque haïtien doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux aujourd'hui. Pourraient-ils être eux aussi fiers de nous? M'a quitté chaque monde répondre pour tête paille. Le palais national sera occupé par un président élu librement par le peuple haïtien. Nous pas gagne folie pouvoir. Nous pas gagne folie pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable, indispensable pour leur réalisation. Cela implique qu'un terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. Et slogan sur slogan, ça pas utile en rien, mais c'est plus pour faire hit sur réseaux sociaux yo qui pas même capoter fuir dans vie nationale là. Militants, jeunes femmes ou jeunes garçons a perdu la vie yo sous toute forme dans diverses manifestations et puis même comme victime répression en bas main policiers tout. Malgré ça yo, rien pas jamais fait. Leader parti politique a mettre monde dehors dans tout quartier populaire, yon façon pour yo prendre la ria. Mais c'est toujours si là yo qui fait effort qui victime en bas militants ça yo. Nan fait des choukay, craser magasin avec business qui vin mette plus moun nan chômage, ki vin augmente pourcentage grand goût ak pauvreté pi plus nan pays a. Jiski lè don yo ap chanje. Est-ce que c'est lè tout petit pays a finale ou bien lè okrason kite sa? Mais c'est accord toute la sainte journée kap signé. Pays sa ki prend nan complot international ak politiciens local yo, ki vin permettre premier ministre Ariel Henry toune wa kap gouverne république la, sans aucun élu pour peuple ta ka mande kont yon jou. Je n'annonce l'angan titouez amis téléspectateurs, ancien policier et puis chef gang Alex Armstrong du Monet, tombé nan échange en coup de zam avec un patrouille la police dans la commune Pétionville à mercredi 18 janvier 2023. Napsouni lié Alex a été diverses accusations sous dol, tant qu'une implication dans plusieurs cas kidnapping, assassinat et association malfectée. Nap rappelé ancien policier a été avis recherche derrière. UNESCO en Haïti dans tête coulée avec le bureau haïtien normalisation fait présentation officielle manuelle de normalisation de la qualité des matériaux de construction matin jeudi 19 janvier 2023. Livre ça rédigé dans intention des cités politiques, ingénieurs, contremaîtres et boss maçons. Il gagne tout norme qui capable répondre à amélioration qualité construction yo et puis réduire cette catastrophe en Haïti. Plusieurs personnalités étaient venues dans présentation projet ça. On suit qui j'ai une cérémonie à table déroulée dans le micro Gélé Joissin avec Alex Jean. Alors, le bureau haïtien de normalisation a été inauguré
le 14 décembre 2012. Et il est considéré, alors, il a pour statut, c'est un organisme autonome, sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, mais géré par un conseil d'administration public-privé. Mais là, il faut dire que le bureau AS et normalisation, certes, a été mis en place en 2012, mais le projet de loi est déposé au Parlement le 19 juillet 2012, mais jusqu'à présent, malheureusement, ce projet de loi n'est pas encore voté. Et pour mission, le BHL est appelé à organiser et gérer les activités de normalisation, certification, de métrologie industrielle, de promotion de la qualité et aussi appuyer techniquement toutes les actions visant ces objectifs. Alors, à côté, vous voyez qu'il y a une petite maison. Alors, il faut dire que normalement, dans tout pays, il faut qu'il y ait une infrastructure de qualité. Et on représente généralement l'infrastructure de qualité pour cette petite maison que vous voyez là. Et vous voyez au bas de cette maison, il y a les différents piliers de cette infrastructure. Pour pouvoir construire, dans quel que soit pays, une infrastructure de qualité solide, eh bien, il faut d'abord qu'il y ait un système économique fort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des activités commerciales. Il faut, deuxièmement, qu'il y ait un système légal. Et comme je l'ai dit tantôt au début, jusqu'à présent, nous avons cette défaillance au niveau du droit à la normalisation. Le projet de loi a été déposé, mais il n'est pas encore voté. Et il faut aussi qu'il y ait des cadres formés. Et si vous êtes là, et vous allez avoir un petit peu plus tard le consultant du projet qui va vous présenter son manuel, justement, c'est parce qu'à un certain moment, il a été formé et il a eu ce manuel. Et vous aussi, à votre niveau, vous allez recevoir des informations sur ce manuel. Et probablement, et dans un avenir proche, ces informations pourront vous aider justement à améliorer votre travail quotidien et dans vos domaines respectifs. Nous avons trois sous-comités qui ont été créés, un comité sur le béton, asphalte et bâtiment. Et nous avons aussi établi des normes. Alors, quand je dis établissement des normes, c'est surtout des avant-projets de normes, parce que ces normes, malheureusement, ne sont pas encore, ils sont encore au stade de projet, d'avant-projet. Et ces normes-là ont été identifiés et ils sont mis dans le pipeline. Et vous allez voir, je vais vous présenter dans un slide les différentes normes qui se trouvent dans ce pipeline-là. Et nous avons aussi élaboré des guides de normalisation. Ces guides-là ont été validés par les membres du comité. Et pour l'utilisation, il a conduit des travaux de normalisation. Et actuellement, nous sommes dans le processus d'adoption de normes. Et quand je dis d'adoption de normes, c'est des normes qui existent, des normes de la région, par exemple des normes COSCO, et aussi des normes internationales comme des normes AFNOR et des normes de la STM. C'est-à-dire que c'est ces normes-là que nous allons prendre justement pour les adopter au niveau national. Présentation ça, moi quoi après présentation et manuel ça pour des formations qui pour le fait que nous arrivons vraiment instaurer une culture qualité dans tout secteur parce que normalisation n'est pas concerné seulement bâtiment et génie civil, même genre sécurité technique associée, et des comités techniques qui travaillent sur l'agroalimentaire, qui travaillent sur le tourisme, hôtellerie et restauration, qui travaillent sur santé, sécurité, résilience, qui travaillent sur la question environnement et assainissement, que l'activité SAO arrive à instaurer en vraie culture qualité dans le pays. Donc, quel que soit le problème qu'on veut gagner, le premier recours de chercher, c'est aux normes. Et je crois actuellement, le pays a un contexte qui est très particulier, côté nous gagnons pour nous bâtir institutionnellement. Moi, je voulais lancer un appel innocent, un appel qui est tout à fait naïf,
un appel qui aime à décideurs politiques, à décideurs économiques, à décideurs au niveau social, pour être capable de chercher recours dans le nord, pour bâtir un pays résilient économiquement, un pays résilient socialement et un pays résilient environnementalement. Présentation officielle document ça et on est dans un projet que le gouvernement japonais financé pour le bureau de l'UNESCO. Alors projet ça c'est pour 4 pays, c'est Haïti, Cuba, Guatemala et la République dominicaine. Alors normalement rentrer dans le cadre de la réduction des désastres dans l'environnement des bâtisses en Haïti. Qui ça nous entend pas là, nous connaissons jeudi à ça fait quelques temps Haïti a fait face à des risques de désastres énormes, particulièrement le risque de tremblement de terre. Et nous connaissons généralement tremblement de terre pas tuer le monde. C'est une conséquence de tremblement de terre là, particulièrement mauvaise construction, c'est eux-mêmes qui tuent le monde. En ce sens, le gouvernement japonais a été appuyé à l'UNESCO pour nous appuyer le gouvernement haïtien, non seulement former des maçons, des contremaîtres et des ingénieurs, mais également appuyer le bureau haïtien normalisation. Pour élaborer un manuel, ça que je vais présenter là, c'est un manuel sur la qualité des matériaux de construction. Le projet de l'adoration globale est conduit depuis 2 ans. Le projet a commencé depuis 2022, alors 2021. Le projet a fini en mars 2023. Et sur cette base-là, nous élaborons un manuel là. Ça va être là. Après élaboration du manuel là, nous avons un travail avec, continuer à travailler avec l'État haïtien, continuer à former pour nous des maçons, des contremaîtres, des ingénieurs sous. Contenu qui vient de manuel ça. Parce que normalement, si vous avez un document, et vous faites un document, un document important comme ça, vous faites dans un tiroir, c'est peine perdue. Après l'élaboration du document ça, on a gagné pour nous aller et faire une large diffusion de document ça, dans le cadre de formation que nous allons faire, non seulement pour les décideurs, mais également pour les techniciens de l'OBEN. Bon, attends, nous c'est ouais, Haïti, alors des outils ça, c'est manuel là, mais ce n'est pas seulement nous font les nouveaux outils. Mais c'est mettre en pratique ensemble d'éléments qui ont trouvé dans le manuel ça, qui permettent que nous normaliser question matériaux de construction en Haïti, particulièrement le tôle, le fer et le bois. Chers téléspectateurs, c'est mon deuxième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci là ce que toujours été branché amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pour cela mes restes informations. Coordonnateur général Inoua, Josué Méridien voué jeter accord 21 décembre. Côté li mandé pour retirer non dans accord 21 décembre qui qualifié comme un accord tis amis qui pas vienne régler rien sérieux pour pays ya. Dans ce sens, coordonnateur a bail 3 jours pour être non escritia dans liste moun qui te signé accord cela. En suivant plus explication dans microphone d'une Pierre à Kakerwin Perville. Dit que je le dis hein l'uno trouver nos situation côté li joine nol en bas yon accord mascarade que blanc la ligne fait Ariel fait avec de petits copains petits coquins pour kakebel dans pouvoir que c'est casser pays j'en dis là n'a dit que ça fait là son tentative pour yo légitimer yo accord illégitime yo accord que blanc fait fait pour craser pays et puis plus. Nous dénoncer ça et nous demander que Ariel et l'équipe lui rapidement retire Noino dans accord mascarade, accord tété, accord apatride que vous faites là côté vous êtes des sales dans Noino, là vous mettez associé Noino en bagarre comme ça. Et dans ce sens ça, Noino a fait contact avec toute l'organisation qui victime Zach Malversi d'ailleurs. Pour nous attaquer accord si là soit des accords si là et voilà qu'on se des comptes et pour nous porter plainte contre tout ensemble de malfaiteurs qui mettaient non une eau non mascarade là non bagaille bagaille là et n'a dit pour nous finir
Gardez qui moun qui derrière comme ça. Qui acteur? Nous gagne la lim qui est sous tête li accusation que c'est lui qui nan assassinat Eric Baptiste. Il accuse il publiquement, il serait besoin la lim pour qu'on dise rien. Nous gagne Ariel qui est sous tête li accusation que lui participer dans la mort dans assassinat Jovenel. Nous gagne on plus l'autre encore qui accusé comme moun qui nan cap financé gang comme moun qui nan drogue qui vient cacher en bas comme cela pour que le blanc fait un paillot. Donc nous a dit que est-ce que nous va dire nous que les gens avec moun qui derrière comme ça nous a dit soit sont des malfaiteurs qui mettent ensemble pour regarder ce capable dire fait payer plus l'enfer et fait bien une prime malgré là c'est ça ino dadi pas cap dadi c'est inimaginable pour nous trouver la société de malfaiteurs là qui a causé pays et qui fait pays dadi le dire tout l'enfer. Donc nous demandons de retirer nous rapidement et nous gagnons 3 jours pour faire ça. Une normalité haïtienne a réclamé un ajustement salarial 300% pour les professeurs par rapport à la vie chère qui a augmenté chaque jour plus. Dans ce sens, il y a un ajustement ça a valable pour tout secteur qui dans la vie nationale. Puis loin, le coordonnateur a fait connaître, si vous n'avez pas respecté les demandes, il y a passé dans l'autre phase qui se grève générale. En suivant, plus de détails dans le microphone d'une pierre à Kakerwin Pierreville. Alors, nous avons aujourd'hui, c'est 19 janvier. Nous avons 50 mois de décembre. 50 décembre, parce que le professeur pourra toucher le mois de décembre jusqu'à présent. Donc, ce est grave. Pour que, nous avons dit, ni Ariel, ni Patrick Boisvert, ni Nesiba Lega, qui touchait, moi, décembre, depuis novembre, peut-être, qui a permis, nous, 50 mois de décembre, pour continuer le mois de décembre. D'accord, après, pour Ariel, avec Boisvert et Nesiba Lega, que l'État haïtien engage depuis 1997 pour que lui paye le 25 chaque mois. C'est pas le 50. Donc, nous exigeons que le gouvernement, de facto, s'il a, sorti la logique, payer enseignant le 50, le 55 de chaque mois, puis payer le 25 de chaque mois. Je dis ça et dis ça. Et nous demandons, par rapport au fait que le gouvernement ça, il a plus que doublé le prix gaz, qui fait que prix tout produit, prix tout service, doublé, triplé, nous exigeons un ajustement salarial de 300%. C'est l'éducation. Hein. Pas seulement c'est l'éducation. Hein. Dans toute l'état net, parce que quel que soit le prix de la justice, les gens qui sont dans la santé publique, dans tout secteur, ils ont tout absorbé. Conséquence, mauvaise conséquence, prix gaz qui monte deux fois plus loin et qui fait que tout produit vit deux trois fois plus cher. Donc nous exigeons pas augmentation salaire. Nous exigeons ajustement salaire. Qui pas augmentation salaire. Ajustement salaire, c'est-à-dire que nous permettons que le même pouvoir d'achat qu'on a gagné il y a un an, deux ans, trois ans. Donc le professeur, il a dit comme le professeur était même chien et pour tout produit vit deux trois fois plus cher. Pour permettre que vous soyez le même pouvoir d'achat il y a 2-3 ans, nous exigez un ajustement salaire de 300% dans cette éducation et dans ce secteur autour. Et nous mettons tout le secteur pour engager dans le groupe ici là pour faire que même gens qui ont gagné courage pour monter le prix gaz et faire tout produit, service pour 2-3 fois plus, que vous ajustez salaire, tout salaire net pour mettre que nous faire face à coup de la vie. Et c'est ça, ils nous demandent tout pour que nous arrivions à une grille de salaire national qui a un barème qui dit que combien de monde qui a touché comme PPT et qui s'est gagné comme écart dans le salaire contre le président de la République qui a été gazé comme la cour ministère. Donc, parce que ça est important et dit tout en général, nous en train de faire concertation dans tout secteur pour que crève ça, n'a pas pour dans le ciel avec tous les secteurs au moment où toute concertation est faite et nous arrivons à dire. Et prend un jour, date pour nous faire ça. Toujours dans ces politiques, amis téléspectateurs, secteur démocratique populaire, branche Nenel Kassia, fait bilan gouvernement en place là pendant 2022, il dit qu'il est catastrophique pendant 18 mois sous pouvoir. Didier Benel, qui se porte-parole SDP, souligne sous gouvernement ça, situation politique la vient plus mal, parce que dans chaque quartier, il y a un chef gang qui dirige. Pendant qu'il qualifie l'accord 21 décembre comme un accord mascarade, parce que c'est continuité PHTK qui a fait dans le pouvoir.
en place là. En une déclaration de Didier Benel, la micro Gadi Barthelmy avec face Blanfort. Rakay ak postidye politik yo depi 18 mois. Ariel Henry nan tèt peyi d'Haïti, la vie citoyen an dan peyi d'Haïti yo vin pi difisil. Nou vle di 18 mois depi fòs fè nwa sa mete yon blackout total sou peyi d'Haïti. Kote tout katye an dan peyi a, tout zon yo vin gangsterize. Gangsterizasyon sa yo, yo parete san konsekans, paske gangsterizasyon gouvernement Henri Andrea, li koz an pil masak fet an dan katye popile yo, ki vin multiplye kantite masak ken te gen ki te fet sou premye versyon PHTK e dezyem versyon PHTK. Jodi a, ansanm de masak sa yo, yo trene deye yo, yo ansanm de sitwayen ki te fe vi yo, ki konstwi la vi yo nan de seri de zon, kote ke moun ki pran de 30 ans, 40 ans, 50 ans pou yo te konstwi vi yo. Jodi a, gouvernement sa mete yon la men medite ane entre sitwayen sa yo avek kay yo paske yo pa ka rentre la kay yo. Moun sa yo jodi an, yo koz chak gren sitwayen an dan peyi d'Haïti pou nou soti, swa pou mta ale ver le sud, swa pou m'ale dan le nord, swa pou m'ale al est, m'oblije a peye dwa de pasaj pou m'pase. Jodi an, gangsterizasyon gouvernement Henri Andrea li koz. Gwan sam de ti moun vi avèk masak ki fèt an dan katye popile yo, jodi an, viol ki fèt nan masak yo koz gen ti moun, jodi an kap fèt ti moun kavèk ti moun sou bra yo. Masak sa yo kontinye parete san konsekans sou la vi populasyon Ayisyen nan, li koz gwan sam de sitwayen ki oblije ap kouri kite peyi d'Haïti pou yal ran tèt yo esklav nan de seri de lot peyi. Kote ke ap imilye yo, nou tout wèl koman la Republik Dominikèn, ki pa de jam destination aucun haïtien dans pays a. Eh bien, pendant 18 mois équipe ça li prend pays d'Haïti laisse nous ta prend dollar à 90 goud jodi an li passé à 164 goud. Inflation li ta 14%. C'est deux gros chiffres que li parle de 14% parce qu'en pile pays a goumé pour inflation pas arrivé dans pas arrivé dans des chiffres. Mais jodi a deux chiffres nous pral di an, li pi gwo toujours parce qu'il passé à 57%. Troisième version PHTK qui gangle pays a le niveau qu'elle gangle jodi an, qui permet la vie citoyen yo vin pi difficile là. Eh bien on vin joine équipe ça jodi an pour faire plus temps en dans pays d'Haïti, yo rentrer dans ça nous relé un accord 21 décembre. Automatiquement SDP sorti dans accord à cause ça al craser. Je dis personne pas capable parler de accord 11 septembre encore. Et ben nous pousser yo al font l'autre mascarade que yo fait 21 décembre côté que yo relé accord 21 décembre. Ancien sénateur Nenel Kassi sous bois parle sur le pour le dire SDP branche pas là qui craser accord 11 septembre là même s'il reconnaît c'est une pigou accord pays a pas de chambre connaît. Mais qui pas respecter revendication peuple là c'est pour ça yo te quitté accord en septembre qui fait gouvernement en tête coulé ak allié li yo couri fait un autre accord li qualifié de pakouti pour ça sénateur ba garanti li pral marcher dialoguer ak tout acteur politique dans pays a pour changer stratégie bataille yo parce que année 2023 ça pral yon combat Nel Kassi nan micro Gadi Barthelmy ak Pras Blanfort en août 2022 nous quitté accord 11 septembre. C'était plus gros accord politique en pays. Nous quittons parce que Ariel n'a pas voulu respecter les revendications du peuple. Et nous avons dit qu'il a crasé. Et SDP a crasé l'accord. Nous crasé, lui obligé à faire l'autre accord pas côté. Un accord pas côté pour justifier la présence au pouvoir. Et là, nous ne pouvons pas féliciter les dirigeants SDP. Militaire SDPE et tout l'autre monde conséquent dans le pays a 4 jours. C'est un gros combat. Et vous ne pensez pas que nous devons craser encore. Mais nous disons avec peuple haïtien, pas de miracle nous ne pouvons pas faire. Mais avec peuple haïtien, nous craser encore, nous rapatrier les revendications et nous faire bataille à côté du peuple pour avancer.
Et là, nous avons fait un accord, nous avons pris les soins pour nous expliquer à la population pour qui ça nous a signé et pour qui ça nous a quitté. Et la population comprend. Les tracteurs qui doivent dire ça, mais ça qui est clair, pas de gagner ou prendre un accord qui est appliqué. Et c'est ça qui justifie que je dis à accord ça n'a pas existé encore. Nous avons dit, dans quatre batailles que le peuple a fait en 2022, SDP est campé de bon côté. Nous avons accompagné le peuple dans la mobilisation qui a fait un peu partout. Des mobilisations pacifiques, des mobilisations qui respectent les normes démocratiques. C'est vrai, adversaires politiques ont des piégés mobilisation. Et c'est peut-être ça, il faut que nous réfléchissions sur le mode mobilisation pour nous déclencher aujourd'hui. Parce que les nègres veulent, ils ont fait bandits créer la terre. Les nègres veulent, ils ont fait bandits entrer, infiltrer la mobilisation peuple là. Pour qu'ils aient un discours pour les blancs. Nous sommes intelligents, nous avons travaillé et nous avons réfléchi. PHTK a mené le pays à dans ce lieu-là. Et c'est pour raison ça, nous avons toujours convoqué les acteurs pour nous chercher une solution tête ensemble. Les acteurs sont réticents. Mais je dis à faut être d'accord qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ne peuvent pas chiter ensemble. Nous disons qu'il faut qu'ils chiter ensemble pour nous retirer le pays à dans ce lieu-là. Par rapport avec toute bataille, ça, yo, et qui me dit nous qu'il y a un bilan satisfaisant pour 2021, pour 2023, nous prenons le combat, nous prenons la bataille. Parce que le peuple a été sous nous le compte. Le peuple a été nous le tendre. Et nous montrer ça, l'en quitter l'accord en septembre, en août 2022. Pas de jamais aucun mouvement en d'un pays, des mouvements pacifiques, côté peuple a protesté contre une série de décisions. Mais quoi SDP dit devant un peuple attendait. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, été branché pas déplacé. Merci d'être toujours été branché, amis téléspectateurs, mes informations. Réforme Bernard, qui est organisation dans le système éducatif, réclame changement dans le système éducatif haïtien. Il y a une façon pour l'apprentissage capable de faire une autre façon. Selon le coordonnateur général Escritia, Samuel Pierre, qui est souligné pour le dire, le système nouveau secondaire n'est pas intégré dans la formation professionnelle qui la cause en pile l'école, pas qu'à suivre le programme ça, j'en dois dispenser. Dans ce sens, Escritia a demandé pour le ministère de l'Éducation de pencher sur la question. Plus de détails dans le microphone de Pierre à Kakerwin Pierreville. 41 ans après la réforme Bernard, système nan li rete yon système qui mande encore yon l'autre fois yon l'autre réforme éducative. Et c'est nan optique ça, Action syndicale des enseignants d'Haïti li konté organiser conférence ça et la baye conférence ça pour li mande à ministre éducation nationale là pour que li capable entamer processus pour capable gagner yon réforme nan système éducatif haïtien. Là nous garder ensemble d'actions qui posé dans le système éducatif haïtien de 1982 à jodi a nous senti pas gain aucun changement réel qui visait porter dans le système là. Premier bagage au capable constater. Yo vini avec PNEF. PNEF là li pas jamais rivé appliqué. PNEF là c'est Plan national d'éducation et de formation qui bat naissance à un ensemble d'institutions tant que CFEF qui visait lui-même accompagner réforme éducative 1982 à institution ça yo l'état li pas accompagné yo et en 1982 yo fait réforme nan vinn gen en pile l'autre réforme encore que yo fait de manière partielle qui vinn ban nous nouveau secondaire là et lors vinn gagner nouveau secondaire ou dit nouveau pendant combien de temps ou continuer parler de nouveau secondaire yo intégré un ensemble de disciplines tant qu'ou art plastique musique informatique économie alors que institution d'enseignement supérieur qui a formé professeur yo pas intégré nouvelle discipline ça yo dans champ de spécialisation yo donc li important pour ministère éducation nationale li pencher
sous situation ça. Parce que là où gagne dans l'école là, yon ensemble de disciplines qui a enseigné, alors que ou pas gen institution de formation qui a formé professeur pour ça, c'est dit ou vin gagner yon manque à gagner. Et yon nan bagay qui important, c'est que institution de formation de professeur yo ou bien d'enseignant yo, yo doit non seulement yo même bay formation disciplinaire, c'est dit moi-même si m'enseigner mathématiques, physique, etc., faut moins capable gain d'autres contenus en termes de sciences de l'éducation. Par exemple, gan pile institution qui dit y a formé professeur, yo pas ba yo cours psychologie de l'éducation, yo pas ba yo cours didactique, yo pas ba yo cours méthodologie, ça qui vient permettre que leur enseignant ça lui-même li vinn rivé souterrain, li pas efficace et en pile fois, li a enseigné yon contenu et contenu ça jan que li dispensé là, li pas permettre que élève là li vraiment approprié. J'en annonce la grande citoyenne amis téléspectateurs, environ 7 dossiers qui ont traité dans l'assise criminelle sans assistance juridique, démarré dans le tribunal première instance à Saint-Marc. Soit 17 privé 19 janvier 2023, d'après le commissaire gouvernement parquet Ahmed Vincent François. Accusation qui retenait contre individu Sayo, c'est association malfectée, viol, vol armé, assassinat et punicité Sayo seulement. Audience Sayo a réalisé dans l'idée pour combattre tantôt intervention préventive en prolongée, selon chef parquet. Il profite de faire connaître avocat Yo, audience civile, pas campé, mais par rapport à la quantité de monde qui est en prison, détention préventive prolongée, il accorde priorité à l'audience criminelle sans assistance jury. Plus de détails dans le micro-correspondant dans l'Antibonite, Daniel Daniel, pour Island TV. Avec une série d'audiences assises criminelles sans assistance de jury. Et semaine dernière, nous avons eu une série d'audiences correctionnelles. Et dans l'audience, ça y a des gens qui libéré, des gens qui condamné et puis qui continue puis j'ai peigné. Mais il faut que nous disions tout le monde qui libéré dans l'audience, c'est des gens qui étaient condamnés, mais qui puis j'ai peigné, qui bénéficiaient et le principe de la loi de l'espinasse. Et puisque peigné, ils ont passé plus de temps en prison que peigné, ils prévoient pour eux et puis ils ont libéré automatiquement, ils ont payé amende, ils ont libéré automatiquement. Dans le cas de ça y a, nous avons 7 dossiers qui ont passé pour semaine ça. Mais, il y a un pile de détenus là-dedans, il y a un dossier qui gagne 8 détenus, il y a un dossier qui gagne 10 détenus, il y a un dossier qui gagne 2, il y a un dossier qui gagne 3. On a passé 7 dossiers, jeudi, on a gagné 2 sièges. Demain, on a gagné 2 sièges, et jeudi, on a gagné 3 sièges, 3 salles d'audience. On a gagné 3 salles d'audience. Et nous gagnons environ, et plus qu'une vingtaine de dossiers qui sont déjà prêts. Pour nous continuer à assise là d'ici semaine prochaine. Nous décrétons semaine ça, c'est de audience extraordinaire et criminelle qui empiétait sur audience civile. Pendant que moi dans micro là, m'a tout profité dit à que avocat yo, c'est pas ignorer non ignorer, c'est pas minimiser non minimiser, c'est pas empiéter non empiéter, d'a dit de plein fouet sur audience civile. C'est par rapport à pléthoricité que nous accusés dans le niveau prison, hein. Dans la logique pour que nous combattre détention préventive prolongée, n'a bien dit, combattre détention préventive prolongée, c'est pas dans libérer mon tribord à bord, à tort ou à raison, ou bien à travers, c'est à travers les audiences régulières ou audiences extraordinaires, audiences correctionnelles, audiences criminelles, et tout le monde qui méritait libérer. Pour rentrer la caillou, tout le monde qui méritait condamner pour juger peigne. Nous gagnons de monde tout qui libéré tout dans toute période là, dans cadre ordonnance de nos lieux, que cabinet d'instruction, chambre d'instruction, et li rend en faveur moun sa yo, et automatiquement yo signifié délai au passé, et pas gain recours qui fait moun sa rentrer la caillou sans aucune difficulté. Anti chef d'accusation qui était contre moun sa yo. Et moun sa yo, nous gagnons cas de viol, nous gagnons cas de association de malfaiteurs, assassinat, nous gagnons cas de vol de nuit, vol à effraction, vol avec escalade. C'est chef d'accusation ça yo. Moun sa yo n'a attendé là, c'est chef d'accusation ça yo, et pour c'est pour ça yo t'a poursuivi. Coordonnateur roi jeunesse engagé Fredlin Vilvert très critique face à responsable immigration yo qui décide faire moun yo payer prix fortune pour yon passeport. Il l'autre bord, il parlait pour Jean-Louis Mounio apprécié pour quitter pays ya.
Kordonate a mande pou avoka pepla ak moun KTPS yo, sispendran le dra mette sou yo paske peyi a pa bien prive yo. An tu plize ta nan mikro korispondan nou e wout koulada pou Island TV. Aksemen la politik la gon lot faz la, paske ane sa nou paske ane sa te kapat bi pou nou men men gen de difikilte toujou ki te nan ane 2022 ki toujou par exemple. Insécurité a la vie chère kidnapping nan ça veut dire qu'a continuer mais gon va ni ouvrir la soi Haïti là côté qui non seulement qui bail problème dans pays a non seulement qui bail division dans société a c'est par rapport de barre ça veut dire année a plus compliqué pour nous même parce si année a ta bon c'est fin d'année a pour que te gon bagaille pour permettre que Haïti s'intègre aller mieux mais tu fais que jodi a là pas rien qui fait tout bagaille rester même gens. Je dis à ne pas compte qui ça pour nous relayer, qui c'est pour nous relayer pour permettre que Haïti ait l'autre solution à lui-même. Bon, la peine est non l'autre. Kachumbe, parce que par exemple, un pays qui va venir mettre l'autre Haïti, Haïti rentrer là-dedans, qui va permettre qu'il aille mieux, ou pas le permettre que venir à son pays, surtout que ce pays bat la tête négrière, qui va venir. Je dis à comment t'as voulu, je dis tout qu'on a fait passeport, et puis qu'a fait passeport, et puis normalement, qu'on a deux temps, et puis il a dû pour entrer, après il a dû c'est deux ans, États-Unis c'est dû c'est deux ans. Après deux ans, par contre, qui ça cap défini? Par contre, qui ça cap fait? L'autre pays ouvre l'autre van. Ça veut dire son politique ouvre van. Mais qui côté a mettre? Si on te veut aider nous, non seulement t'as pas le fond politique développement, nous t'as commencé sur agriculture, nous t'as demandé sur l'autre bagage pour permettre que nous t'avancions. C'est pas ça qui est comme agenda. Il y a l'autre agenda, c'est faire haïtien, moi qui cap servir pays à, quitter pays à pour faire l'autre politique. Je dis là nous constatons ça très mal et nous même nous avons un coup de barre pour dire que immigration yo côté que peuple haïtien te kon fait passeport avant qu'on to yo te kon demander là jodi a nego mette scope là sous scope là vos deux fois un passeport ça c'est très dur ça c'est malhonnête ça c'est on barait gang k'ap régler dans pays a parce que nous dénoncer ça parce que on haïtien pas capable payer deux scope là valeur pour un passeport yo za la directeur immigration fond pour nous raqueteur fond connait que raqueteur c'est haïtien k'ap qui besoin passeport passeport pas ka en bay lix passeport son sens passeport haïtien yo supposé vendre non supposé normalement et mettre le genre de qu'on mettait là ça veut dire nous demander pour directeur immigration prendre responsabilité pour pas passeport tout vendre et me cas continuer même prière. Bon moi son bagage démagogue qui parler son monde qui pas comprendre rien soutenant place où tu as toujours dit même parole là d'autres là tu as toujours dans même parole là son type il a joué il tout nos marionnettes. Et puis il y a viré, non seulement qui parle qu'un colonne vertébrale qui parle à faire rien de Haïti, ça veut dire c'est une mission monsieur là, ou one, ça veut dire par contre quand monsieur pourra faire élection ça, est-ce que comme on l'a pas retiré gang ça, parce que regardez gang tribaux pas bon dans pays là, insécurité, kidnapping dans toujours monter très haut dans pays là, je dis par contre comme monsieur pourra faire et comment pourra monter KIP ça, c'est tribaux pas c'est toute bagarre ça qu'a posé, parce que lui même il a toujours dit ça, même pas qu'un côté il pourra faire élection ça, ou one. Elles sont pote bourré ou bien son bagage personnel li pa le faire ou bien on pa konnen du moins. Dans l'idée pour capable bien gérer commune Okaïla URB Haïti en partenariat avec mairie Okaï annoncé il y a bien pour organiser 5e édition URB café sous thème comment ou capable bien vivre dans site plusieurs secteurs de la population a bien pour participer dans activité ça pour capable brasser l'idée sous développement ville là. Selon explication technicien Jean-Philippe Mondésir dans micro correspondant nous dans site Lisbon Joseph pour Island TV. Programme ça qui c'est un café qui c'est en conférence autour des séries de thématiques qui très sensibles à développement ville nous sous 5e édition. Donc, il y a 4 éditions qui étaient faites au niveau de Port-au-Prince. Et c'est la première fois au niveau du Sud que la ville de Kaï a recevoir la 5e édition Herb Café. Donc, le thème là, c'est comment vivre, mieux vivre de manière résiliente dans le Sud. Il concerne non seulement la péninsule du Sud, mais tout département qui fait partie de la péninsule. Là. Donc, quel que soit le département de la Grandance, le département du Sud et aussi le département de Nîmes. Donc, il y a une participation autour de l'acteur dans société civile, là, et journalistes, médias, étudiants, universitaires, associations, ingénieurs, architectes, pour nous vraiment brasser l'idée sur comment permettre que ville nous développer sans que nous ne pas exposer la population avec risque de toute maladie que nous connaissons qui gagne dans le pays. Donc, notre participation au comité interministériel pour aménagement du territoire, qui est le SIAT,
n'a bien et appuyé tout participation de direction collectivité territoriale ministère intérieur et n'a bien et participation tout de maire et Jérémien qui c'est monsieur Godarimi Lor madame Ramout pour la ville d'Ecaille et n'a bien délégation de quatre autres villes qui a venu qui c'est délégation de ville Beaumont dame Marie et puis Jérémie et bien n'a bien participation tout de représentants ancien président et société civile Grand Anse monsieur François Chavenay donc c'est vraiment un moment extrêmement important pour nous comprendre qu'il y a un jeu qui est joué aujourd'hui dans la question mobilité la question déchets la question risque naturel donc là la ville n'est pas donnée la ville est construite. Donc, il m'a dit une très grande participation de chaque monde, de citoyens et surtout de forces vivantes, qui c'est la jeunesse. On inscription en présentiel, mais le monde qui voulait participer à distance, donc il a partagé un lien avec eux, qui a suivre l'événement à distance et tout qui a pu transmettre, dans, que ce soit au niveau local et aussi au niveau de l'autre pays, de garder tout qui est Haïti et puis suite de l'enfer dans la question de résilience urbaine. Donc, finalité, c'est actuellement, il y a plus de 2 ans que nous travaillons sur une première ébauche de plan d'urbanisme local. Donc, actuellement, il était au niveau de secrétaire technique SIAT pour validation. Donc, une fois que les valide tout, il y a une étape extrêmement importante, c'est publication dans le moniteur pour lui permettre que la mairie vraiment gagne aux outils avec des règlements qui sont capables vraiment de contraindre les gens à suivre tout processus, comment ils construisent la ville, comment ils qui côté plus pas construit. Et donc vraiment, c'est la première étape de la construction de ville, là. C'est la planification, c'est un plan d'urbanisme. Et ça, tout permet que vous commencez à gagner une gouvernance locale qui est forte. Parce que sans des lois, sans des servitudes, vous pouvez sensibiliser les gens, vous avez toujours reproduit même pratique. Donc, nous vraiment obligés de gagner des cadres légaux pour nous contraindre les gens à marcher sur une directive, loi d'urbanisme qui permet que la ville là, mieux développé, qui permet que nous capables mieux protéger nous mieux contre catastrophes futures. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi, mais avant nous aller quitter nous rappeler au tout cas point. Ancien policier et chef gang Alex Armstrong du Monde est tombé dans un échange en coup de balle à qui on patrouille la police dans la commune Pétionville à hier mercredi 18 janvier 2023. Nous avons Alex a intégré diverses accusations sous dol dans cours implication dans plusieurs cas kidnapping, assassinat et association malfaite. UNESCO en Haïti dans tête coulée avec un bureau haïtien normalisation fait présentation officielle manuel de normalisation de la qualité des matériaux de construction matin jeudi 19 janvier 2023. Livre ça qui rédigé dans intention décideur politique ingénieur contremaître à boss maçon yo gagne toute norme qui capable répondre à amélioration qualité construction yo et puis réduire ces catastrophes en Haïti. Union normalien haïtien yo réclamé ajustement salarial 300% pour professeur yo par rapport à la fiche qui augmenter chaque jour plus. Dans sa situation souligné pour dire ajustement ça a valable pour tout secteur qui dans vie nationale là pendant il nous fait connaître si yo pas respecter demande yo y a passer dans notre phase qui se grève générale. Environ 7 dossiers qui ont traité dans 6 criminels sans assistance juridique ont démarré dans le tribunal première instance à Saint-Macla, soit 17 pour arriver 19 janvier 2023. Accusation qui retenue contre individu sérieux. C'est association malfectée, viol, vol, armé, assassinat et publicité sérieux seulement. Audience sérieux a réalisé dans l'idée pour combattre taux de détention préventive pour le GIA. C'est leur chef, Akea. C'est ensemble pour ça qu'un pilote qui était développé, il était branché télévision à l'intérieur pour la programmation. Bye bye tout le monde.